Bonjour à tous. Bah, figurez-vous que je reprends ma vidéo pour la deuxième fois parce qu'en nettoyant l'écran avec ma manchette, parce que je viens de nettoyer les lunettes. Hein. Je me suis dit, je nettoie toujours. En fait, je me sers vraiment au maximum de la lingette. Je fais les téléphones. Et vous étiez là et je dis, je vais vous faire aussi. Bah, ça a été la vidéo. Bon, je vous disais que tout allait super bien, que on a eu la chance aujourd'hui, que la journée a été bonne. Ce n'est pas une vidéo blabla. Mais quand même, hein, on prend quelques secondes voilà, pour se parboter. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Bon, il n'est pas loin de 18h, hein, mais on a eu de la chance jusque-là. Il a fait bon et beau. Là, ça y est, c'est fini. Il pleut et il commence à pleuvoir très fort. On a reçu il y a déjà plus d'une heure. Ouais, plus d'une heure. Hein. Je vais regarder. Un message nous disant que nous sommes en vigilance. Vigilance. Laquelle, je ne sais plus. Je vais vous dire ça. Vous en foutez pour la plupart et c'est pas grave. Moi, je m'en fous pas. Donc pluie et vent très fort pendant les 36 heures à venir, avec des risques d'inondation et tatati et tatata. Et donc, on a reçu ça à 14 heures. Je vous ai dit une heure, c'était il y a un peu plus. Et je m'en suis aperçue il y a qu'une heure. Voilà, parce que je regarde pas, je ne vois pas mes messages au fur et à mesure. Sauf cas exceptionnel si j'ai le téléphone dans les mains. Donc voilà, la pluie est arrivée, ça y est, mais elle nous a laissé la journée un peu tranquille. Donc j'étais contente. J'étais contente, je ne vais pas vous le mentir. Alors, ce n'est pas un petit tuto aujourd'hui. Ce serait plutôt, j'ai envie de vous dire. Alors, si je vous dis le mot récap, ça va pas. Ce n'est pas un mot positif, je trouve. Mais disons qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on revoie un petit peu tout ce que j'ai pu. Tout ce qu'on, tout, toutes ces idées que vous pourriez avoir vues, mais peut-être oubliées ou pas vues, donc loupées, concernant. Alors, ça concernera cette année, mais pas que, d'accord? Donc, moi, je range dans des petites caisses comme ça, construites par mon mari. Donc, en fait, il y a quatre casiers. Il y en a un qui s'arrête là, un autre ici, un autre là, et après, bah, évidemment, il y a le quatrième. D'accord? Donc, je vais commencer par vous présenter les choses faites les années précédentes qui vont me servir cette année pour mes envois. Voilà, je suis contente, je suis pas à jour, mais presque. Je suis presque bonne. C'est dans le sens, j'ai atteint presque mes objectifs. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo et j'en suis contente. C'est une vidéo qui va me faire du bien. L'an dernier, je m'étais promis de faire des envois que finalement je n'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Parce que malheureusement, on passe tous nos journées à courir. Je veux dire. On a tous une vie, hein, donc vie de famille, donc enfant, mari ou pas, hein, mais vie de famille quand même. Vie de maison, hein, voilà, forcément. Plus le reste, ah oui, j'oublie les animaux, et puis il y a le travail, et puis il y a tout, et il y a tout. Donc franchement, l'année dernière, et ce depuis déjà trop longtemps, je n'ai pas réussi à être dans les balles des gens que j'avais, à qui je. Vraiment, il fallait que je. Dans les balles de qui il fallait que je sois. J'espère que j'oublierai personne, mais en tout cas, cette année, à partir de. Que je vous dise pas d'ânerie. À partir du 15 novembre jusqu'à fin décembre, je vais être dans vos balles, en tout cas dans les balles de nombreuses personnes. Alors, ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bon, évidemment, je serai peut-être pas tout de suite dans la vôtre, mais voilà pourquoi. Parce que ben, il y a des envois que je dois à des gens que j'ai promis il y a longtemps que j'ai pas encore pu honorer, parce que j'avais fait des tirages au sort, des petits trucs, des machins. J'ai encore un concours à clôturer d'ailleurs, hein, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas oublié. Bref, voilà, j'essaie de me mettre à jour. Et donc cette année, j'ai envie que Noël soit un peu plus magique que les autres années parce que parce qu'on passe tous des périodes difficiles, c'est une période qui dure et qui va durer, voilà, on le voit bien, au vu de ce qui se passe dans le monde, chaque jour encore plus, encore pire. Donc voilà, on va essayer d'avoir un peu d'étincelle dans nos petits yeux. Voilà. Donc je vais essayer d'être dans les bas d'un maximum d'entre vous. Donc il y aura des gens. Alors évidemment, j'ai mes échanges de calendrier de l'Avent, ce seront des gros cartons. Par contre, les autres, ça pourra être de l'enveloppe à la petite, à la grande, à la moyenne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dedans. Hein, parce que ceux qui me connaissent et ceux qui ont déjà reçu des choses de moi savent que mes enveloppes sont toujours bien pleines. Bref, voilà, je ne veux pas faire style, mais voilà, j'ai envie de faire plaisir à plein de monde. Donc, juste, j'avais envie de vous remontrer un petit peu tout ce qui s'était passé depuis déjà plusieurs années. En tuto, ça je crois que c'était l'année dernière, c'était des cartes que j'avais fait et que je vous avais fait en tuto. Je vais pas vous remettre les liens en barre d'infos. Vous allez dans le dans la
Alors, c'est simple, ça se trouve dans la playlist des cartes et dans la playlist Noël. Voilà, tout simplement. Donc, c'était des cartes que j'avais fait, évidemment. Ça peut être utilisé comme une carte en tant que telle et ça peut être utilisé évidemment comme un embellissement. Donc, ça mesure 12 par 21 hein, en truc parce que bah, je vous le dis parce que celle-ci, elle a encore le truc derrière. Voilà. Donc, ça, c'était le premier truc cette année. Donc, alors, vous verrez au fur et à mesure comment alors, certes. Certaines, je vais vraiment les utiliser en tant que carte et d'autres en tant qu'embellissement. D'accord? De l'année dernière ou pas, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je vous avais fait une belle memory dex comme ça. J'avais adoré. Bah, elle est toujours là, donc il va bien falloir qu'elle parte. D'accord? Ensuite, j'avais fait ça devait être l'an dernier, ouais, 2022, au mois de novembre, j'avais fait une petite série d'ATC. Avec des micro-chutes, hein, vous voyez comme j'aime les faire, ces petits assemblages de papier. Donc là, c'est des tout petits. Et le mot Noël, bah, écoutez, c'est moi qui l'ai écrit avec du. Je ne sais plus comment, si j'ai fait avec de la colle et ensuite j'ai mis de la paillette ou si j'ai fait avec la colle pailletée, très simplement. Donc elles se ressemblent un peu toutes. Hein, là, voilà, c'est une série de neuf. Moi, quand je fais des ATC en général, c'est par neuf. Voilà, hein, le Noël, vous le voyez ou pas, je sais pas. C'est un peu flou, là, comme si. Là, peut-être vous le verrez mieux, je sais pas. Bref, donc il y a tout ça aussi. Il y a aussi cette carte que j'avais adoré faire qui est aimantée, d'accord? Qui s'ouvre. Bah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tiens, il y avait un bonhomme, il s'est barré. Alors là. Ou alors il vient d'ailleurs, parce que je m'étonne qu'il y ait un bonhomme là. Bah, écoutez, je ne sais pas d'où il vient, mon bonhomme. À mon avis, c'est sauvé parce que lui, il n'y avait pas de raison qu'il soit là. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'était une petite carte aussi qu'on ouvre, qui est aimantée comme ça. Ah bah, il était peut-être là. Bah non, il n'y a pas de raison parce que si je le mets là, ça ferme pas. Je sais pas. Bah, mon aimant non plus. Bon, bref, je vais la réparer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Donc c'était une. Bah, voyez, ça va me permettre justement de voir ce qui va pas. Je comprends pas vraiment le problème d'ailleurs, mais c'est pas grave. Je vais mettre là et je m'en occuperai. Donc, hop, c'est une petite carte toute simple. Pareil, hein, vous allez dans la playlist des cartes, vous allez la retrouver. Voilà. Je vais peut-être pas ranger au fur et à mesure, sinon on va y passer trois plombes. Après, je ne sais plus de quand elle date. Si c'est cette année, l'année dernière ou pas. Écoutez, hein. Donc là, on va partir sur les cartes. Aïe, je viens de me piquer vite. Donc, sur les cartes un peu classiques, je pense que ça, c'est. Je ne sais plus de quand c'est, mais ça n'a pas d'importance. Donc, vous voyez, on a vraiment avec moi tout. Ça, c'est de cette année. Tous les formats. Ah, bah, c'est de cette année, les deux, en fait, hein, tout simplement. C'était une série que je vous avais fait, justement, avec des embellissements qu'on avait fait ensemble. Voilà. Avec des assemblages, avec des amas de papier. Non, des assemblages de papier. Voilà. Celle-ci qui n'est pas de cette année. Que j'adore, qui était structuré à souhait et qui, voilà, j'adore. C'est typiquement ce que j'aime là. Il y a du volume, il y a de la matière, il y a plein de choses. Alors, il y en a souvent qui me posent des questions, mais comment on fait pour les envoyer? Ben, dans une enveloppe un papier bulle, et puis voilà, quoi, tranquille, hein, ça arrive bien. Il n'y a rien de fragile dedans, de toute façon. Ensuite, il y a mon format fétiche. Bah celui-là, ça c'est cette année, c'était une série qu'on avait fait ensemble de cartes, d'accord? J'avais pris donc tous ces embellissements qu'on avait fait justement, et puis ben on les avait montés en cartes, d'accord? Donc ça c'est un de mes, c'est vraiment, j'ai deux gabarits, non, ouais, j'ai deux formats de cartes fétiches, c'est celui-ci qui est 10,5 par 21 et ensuite le 7 par 14. Et le 7 par 14, ça faisait bah, bien 2 ans que j'en avais pas fait finalement, pourtant j'adore ça. Et là, je m'y remets cette année. Donc là, j'ai des grandes cartes comme ça. Alors ces grandes cartes-là, celle-là est de cette année, celle-là non, ça doit être l'année dernière. Hein. Okay. Tout ça, vous les retrouvez donc dans les deux playlists, j'insiste, tuto cartes et tuto Noël, d'accord? Ça aussi, vous voyez? Ça, c'est fait avec du papier cadeau, le fond, vous voyez, le patchwork. Ici, j'adore ce type de carte. Bon, c'est connu, méga connu, hein, et reconnu, mais j'adore ce type de carte. Voilà, là, on s'éclate avec les matières. On a un sapin bien en épaisseur, comme j'aime. Alors, ça, c'est des cartes qui peuvent tout à fait être utilisées autrement que comme des cartes. Je vais vous donner un exemple très simple. Ça peut être utilisé. Bon, je ne vais pas y arriver. Attendez, je vais faire pause.
Donc, je vous reprends. Je vous disais, ce sont des cartes qui peuvent être utilisées en tant que telles, comme une carte postale, très simplement. Mais ça peut être aussi des cartes qui peuvent être utilisées dans vos albums, dans vos junk, dans vos carnets, dans vos agendas, dans tout ce que vous voulez, ok ? Et de différentes manières, vraiment, d'accord ? Donc, voilà, c'est vraiment des choses que j'aime. Moi, j'aime les matières. En plus, Noël, voilà, il faut que ce soit gay, etc., etc. Donc, voilà. Ça, je pense qu'elles ont, ça sont l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Je ne sais plus, hein, franchement. Voilà. Alors, c'est pareil, je vous les remets régulièrement les tutos en poste. Parce que, voilà, il y en a quand même beaucoup. Donc, si déjà... vous trouvez des idées dans ce qui a déjà été fait. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est évidemment un checker. Hein. Voilà. Hop. Vous voyez, il tient bien. Ça tombe pas. Regardez, ça sort pas. Et je pense qu'il a au moins 2 ans, celui-là. Ou il est de l'année dernière ou il a 2 ans. Je sais plus. Mais voilà, ça, c'est typiquement le type de carte que j'adore. Ça, c'est pareil. Une belle carte en matière. On a des pailles, on a des pompons ici, on a une belle dentelle, il y a de tout. Ça, ce sont des cartes que nous avons fait cette année, d'accord ? Ok, donc cartes format tag, mais ce sont des cartes quand même. Donc, vous voyez, bon, là, c'est un peu mélangé, parce que voilà. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de beau cette année ? On a aussi fait ces beaux carnets avec les grandes images. Donc, ça, c'est pareil, vous avez les tutos. Avec des pochettes, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai bien travaillé. Je suis vraiment contente, contente, contente. D'accord ? Donc ça, ce sont des petits carnets très simplement hein, qui peuvent vous servir pendant la période de Noël ou après, si vous êtes comme moi, fanatique de Noël et que ça ne vous dérange pas de vous balader avec du Noël toute l'année. Ici, hein, vous avez les tutos pareil sur la chaîne. De toute façon, je vais refaire, je vais compléter la playlist justement des tutos de Noël de 2023 parce qu'elle n'est pas complète. Ça, je crois que c'est de l'année dernière. Là, c'est vraiment au plus brillant, on ne peut pas. D'accord ? Donc, c'est un petit carnet. Voilà, un peu, on s'éclate. Donc, avec du papier mousse brillant. OK, il y a des pochettes. On a des petites images que j'avais reçues, je pense, de Nelly, si je ne dis pas de bêtises. Ou, si ce n'est pas Nelly, c'est l'une d'entre vous. Voilà, donc des idées. Donc là, les pages étaient découpées avec des ciseaux cranteurs. On a un petit peu tout type de pages. Ici, j'ai mis un sachet de cappuccino. Enfin, vous voyez quoi. Là, c'est un tag, mais il est en bois. Enfin, voilà, de quoi vraiment... voilà, quoi. OK. Vous savez que... Voilà, moi, j'adore. Ça, c'est pareil. Je ne sais plus de quand il date. C'est un petit mini-album... moi, j'ai appelé ça mini-album d'un jour, d'accord ? Donc, tout simplement, je ne sais plus de quand il est. Donc, c'est un album qu'on ouvre comme ceci. Ça peut être dans, du type junk ou du type réellement album. Et donc, on a des pochettes dans lesquelles on peut mettre plein de choses. Moi, j'y ai mis des papiers caféisés, histoire de les compléter. Mais ça peut être des tags très, beaucoup plus soft. Et donc, y mettre des photos, plus ajouter vos photos, plus vos trucs et vos machins. Vous pouvez coller, bien sûr, sur les pages à l'arrière des choses. Voilà, il y a beaucoup de couture sur celui-ci. Voilà, tiens, en parlant de couture, aujourd'hui j'ai fini plusieurs de mes séries d'embellissement que j'avais fait en tuto avec vous récemment, mais dont j'avais pas fini la série, quoi. J'ai fait la couture que j'avais en retard, donc je suis très contente. Donc voilà, là, de toute façon, cette semaine, c'est une semaine qui est dédiée vraiment à mes séries et à mes créations. Donc voilà. Donc, vous voyez, un autre exemple de petit album. Ensuite, ici, ce sont des embellissements. Je crois que c'est un des premiers qu'on a fait cette année. Je me demande si ce n'est pas celui de juillet, tout simplement, avec les chiffres comme si pour un calendrier de l'Avent ou pour un Daily December. Vous voyez, donc, tout simplement, ils sont faits avec des feuilles au format 10-10. Ça, c'est pareil, vous retrouvez dans la série... tuto embellissement, c'est facile. Il y a de la matière, il y a les styles un peu mélangés. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mélanger les styles, puisque là, par exemple, on est sur un papier très baroque et on a pourtant des stickers et feutrines là qui sont hyper enfantines. Vous voyez, moi, j'aime bien ça, ce côté de mélanger tout.
Donc voilà, ça c'est, on l'a fait cette année. C'est vraiment la série des 24, normalement, si je ne dis pas d'annerie. Il y a de la matière, hein, ben, feutrine, plastique. Il y a ici, il y a du métal puisqu'il y a des agrafes. Voilà, donc ça, je pense que c'est un des premiers tutos que je vous ai fait, si ce n'est pas le premier. Franchement, j'ai adoré. Et donc voilà. Où il est le numéro de celui-là? Il a disparu ou il n'y en a pas? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai foutu. J'en ai fait plus. Ah, ben, j'en ai tout simplement fait plus, peut-être. Hein. Je sais pas. Ou il ne se voit pas, j'en sais rien. J'ai dû en faire plus, j'en sais rien. Je ne me rappelle plus. Voilà, je ne sais plus. Donc voilà, avec des alors ça c'est pareil, c'est fait avec des chutes avec des chutes plus qu'improbables puisque je les avais reçues et en fait c'est des chutes de cartonnettes. Alors je sais pas si c'était alimentaire, je sais pas si c'était de parfum ou quoi, mais c'était de la cartonnette d'emballage et je les ai utilisées évidemment avec grand plaisir, celle-ci aussi à poids. Enfin voilà, il y en a plein. Moi j'adore ça là aussi. Voilà, je pense que j'avais fait ça avec un envoi. Là, tout de suite, le prénom ne me revient pas et j'en suis désolée. Mais voilà, je m'étais éclatée à faire cette petite série. Vous voyez, c'est ça que j'appelle une série, moi. Je fais rarement un truc tout seul. Ensuite, on avait fait nos paperclips comme ça, avec les petites images de chez de nos blocs Action, évidemment. D'accord, oui, c'est un paperclip que je vous le prouve. Besoin, donc on passe ici, tac, comme ça. Il pleut, hein. Là c'est il pleut bergère, rentre tes blancs moutons. Voilà, paperclip, ça bouge pas. Ok, donc il y avait cela avec, ah bah d'ailleurs j'ai collé à l'envers celui-là. Non, c'est parce que je vous le montrais à l'envers, d'accord. Donc ce sont les images un peu plus petites de nos gros blocs 30-30 là qu'on n'a pas toujours. Que c'était une idée pour les utiliser, tout simplement. Donc, ça, c'est récent aussi. Hein, c'est d'il y a quelques semaines. J'ai adoré les faire, évidemment. Et j'avais fait la même chose avec les petites images d'un bloc de cartes à monter, vous savez. Dans les blocs, là, il y a les petites images qui nous montrent, en fait, la carte terminée. Et ben voilà, pareil, j'avais fait des paperclips. Donc, du coup, ils sont plus petits. Mais le résultat est le même. Donc pareil, hein, vous avez le tuto. Vous avez le tuto dans la liste des vidéos embellissement et dans la liste Noël de 2023. Enfin, il faut que je les mette à jour. Par contre, elle n'est pas à jour. Ça, c'est à l'envers. Voilà. Donc voilà, ça c'était des embellissements comme ça. Donc ça, c'est à ajouter absolument partout hein, où on a besoin de marquer une page, tout simplement. D'accord ? Ensuite, alors ça c'est de l'an dernier, je crois, d'accord. Et donc c'était quelque chose que j'avais commencé avec vous et que j'avais pas terminé. Et ça m'arrive, c'est comme ça. Donc en fait c'est une loaded enveloppe, c'est un happy mail, appelez ça comme vous voulez. Donc avec deux pochettes et donc j'avais commencé à faire les petites choses dedans. Donc vous les avez en tuto évidemment sur la chaîne, d'accord. Les petits igouigouis. Et ici, une pochette double, d'accord. Donc, à chaque fois, on a deux pochettes. Là, vous avez aussi une pochette ici en bas. Voilà. Alors, évidemment, elles sont pas finies. Donc là, ça va faire partie des choses qu'il faut que je finisse. Mais je vais pas vous le dire. Je vais pas vous mentir. Ça, je pense que je vais me le faire toute seule. Je le ferai peut-être pas avec vous. Pour laisser un peu de surprise aussi. Voilà, et puis parce que je peux pas tout faire avec vous, parce que bah, malheureusement, quoi que je pourrais, hein, mais je sais pas, je verrai. On verra. Donc il y avait celui-ci, du coup, après il y a d'autres coloris, bien sûr. On avait en rouge et vert, comme ça. Donc pareil, hein, il y a la pochette derrière ici, et ici avec ce coloris-là. Voilà, donc ça c'est pareil, c'était un tirage au sort que j'avais fait l'an dernier. Du moins, non, c'était pas un tirage au sort, c'était bien au-delà de ça. C'était une récompense quelque part. Ensuite, on continue. Alors, il me reste ça aussi de l'an dernier. J'en ai d'autres, mais je ne sais pas où elles sont rangées. Donc ça, c'était des petites maisons que j'avais faites en grande partie récup. Donc ça, ça peut être utilisé de plein de manières. Ça peut être utilisé pour faire... Non, je vais pas vous dire. Ça peut être utilisé de plein de manières. Donc voilà, je le reprendrai et je ferai des choses avec. D'accord. Bon, vous avez le tuto sur la chaîne. De toute façon. Ensuite, ça c'est pareil, je l'avais fait l'an dernier. Je dois en avoir d'autres, hein, mais j'ai dû les glisser déjà en fait dans des créas. Donc c'était évidemment un petit carnet
Je cherche le mot, c'est terrible, hein. Bref, voilà. Ensuite, celui-ci, je ne sais pas de quand il est de l'année dernière aussi, probablement. Voilà, on ouvre, je redécouvre avec vous. Et donc, c'est un petit carnet comme ça, avec un petit livret, je sais pas trop comment l'appeler, avec des petits cadeaux, en fait, hein. C'est fait avec un rouleau de sopalin. D'accord? Donc, voilà, c'est de la récup. Pareil, je sais plus où c'est que c'est mis, mais bon, dans la playlist Noël, ça doit s'y trouver sans problème. Voilà. J'en ai fait qu'un, ça m'étonne celui-là. Après, il y a celui-ci. Donc, pareil. Alors, il y a des choses que moi, après, j'avais offert à mes filles et autres. Donc, voilà. Ici, un petit album ou petit carnet, appelez ça comme vous voulez. D'accord? Donc, un peu de matière, un peu de ci, un peu de ça. Des pochettes, plein de pochettes avec des tags. Et donc, on peut y mettre évidemment tout ce qu'on veut. D'accord? Il y a vraiment de quoi bien s'amuser. Ok, donc ça, j'ai dû le mettre dans un mini-album, je pense. Dans le ouais, mini-album. Et évidemment, évidemment la playlist Noël. Noël, je pense. Voilà. Et puis, on cache derrière comme ça. Ensuite, alors ça, c'est une série qu'on a fait justement il n'y a pas longtemps. Et que, enfin, il y en a plusieurs là. Oh, attendez, attendez. On va y arriver. Donc. Alors, voilà, ça c'est les séries que j'ai commencé en fait cet été d'embellissement qui typiquement iront dans diverses choses puisque c'est fait avec comme ça. Hein. Donc voilà, c'est des petits embellissements comme ça, des assemblages encore une fois parce que bah, c'est quelque chose que voilà, c'est ça le scrap, on assemble des papiers donc dans diverses formes et couleurs. Donc là, j'avais fait une partie qui n'était pas Noël et ça c'est ma partie Noël, d'accord? Noël. Fête de fin d'année. Pardon, j'ai un truc dans la gorge. Aujourd'hui, j'ai dû badigeonner la maison du produit. Mais bon, je suis pas dans la maison. De produit pour les mouches, j'en étais infestée. C'était insupportable. Vous avez fait ce tuto qui n'est pas Noël. Et du coup, je l'ai dérivé en Noël. Alors, ça, vous l'avez pas eu en tuto, mais vous l'avez eu en short. D'accord? Et hop, on ouvre. Ça, c'est évidemment des. Alors, celui-là n'est pas fini. Voilà. D'accord? Donc, j'ai utilisé des stickers exclusivement de chez Action, comme d'habitude. Voilà. Très. Des petites choses toutes simples. Excusez-moi, je suis en train de mourir. Sais pas ce que c'est. Alors. Ah, bon, on va y arriver. Ça, c'est une carte aussi que j'avais fait justement avec des embellissements faits comme ça. Je vais la remettre avec les cartes. Oh pétard! On va y arriver. Donc ça, c'est les embellissements, justement. Donc, vous voyez, on a vraiment. C'était un tuto que je vous avais fait. Alors, je n'aurais pu vous dire le nom, comment je l'ai appelé. C'est des embellissements que vraiment. Bah voilà, on s'éclate, quoi. Hein? Il n'y a pas d'autre mot. Ah, ça m'énervait là. Ça, c'est pareil, c'est une série d'embellissements qu'on a fait ensemble. Donc, à utiliser de mille et une manières. D'accord? Tac. Alors, il y en a qui sont en forme de tag, évidemment. Hein, voilà. Il y en a qui sont en forme de rectangle, carré, machin, enfin, tout ce qu'on veut. Et après, on les utilise, évidemment, comme on veut. D'accord? C'était en mode récup, évidemment. Et ensuite, c'était du papier d'action, je ne me rappelle plus. Ça devait être un bloc. Je sais plus, j'en ai déjà utilisé certains, de toute façon. D'accord? Donc, vous voyez, on a déjà pas mal de choses. Je vous ai aussi fait récemment ça, qui est un peu plus vintage, donc avec des feuilles, des pages de livres. D'accord? Donc, vous avez eu celui-ci, j'ai le nez qui coule là, enfin, j'ai toussé. Donc, voilà. Là, je crois que c'est la semaine dernière, celui-là, avec des petites images comme ça. Et puis, ici, on se retrouve avec des tags de diverses manières. Donc, clairement, moi, je vais les utiliser dans des junk ou des cahiers, carnets, etc. Mais il y a moyen de les utiliser bah, bien comme on veut et tout simplement de les offrir aussi. Hein, voilà, d'accord? Ils sont tous bien remplis, bien décorés. Il y avait ceux-là qu'on a fait là récemment aussi, ensemble. Je crois que c'était le même tuto de toute façon. D'accord? J'adore, franchement. C'est vintage à souhait. Non, j'ai vraiment bien travaillé. Auto-satisfaction. Et je suis trop, très contente. Vraiment. Voilà, là, ça c'est récent, donc bon, je ne vais pas non plus passer 3 heures. Ok. Alors, attendez, il faut que je range.
Allez, j'ai bien rangé. Du coup, ça me permet de ranger en plus. C'est ça qui est top, sans le vouloir. Alors, du coup, j'ai attrapé la petite barquette, la petite caissette, je ne sais pas trop comment vous appelez ça. Des choses de Noël qui sont plus vieilles. Donc ici, on a encore une carte, toujours au format 10,5 par 21. C'est une carte en profondeur, vous voyez. C'est vraiment... c'est une carte que j'adore. Qu'on refera peut-être. Tiens. Ensuite, bah, enfin, là, il y a beaucoup de cartes, hein, de toute façon. Après, il y a des cartes très simples, comme celle-ci. Ok, voilà. Pareil. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, j'ai l'impression. D'accord. Après, il y a celle-ci, évidemment. Hein. Tout ça, vous les avez en tuto sur la chaîne. Donc, c'est une carte qui se pose. Bon, là, elle a pris le pli. Mais voilà, tout simplement. D'accord. Des cartes, hein, il y en a en veux-tu, en voilà. De toute façon, je ne sais pas si c'est l'an dernier ou l'année d'avant. Franchement, je n'ai pas la mémoire de ça. Mais c'est des cartes que vous retrouvez facilement à faire et que vous avez déjà eues en poste et que vous aurez de nouveau sûrement en poste. Parce que voilà, je mets régulièrement pour vous donner des idées. Il y a celle-ci. Voilà. Qui s'ouvre. OK, comme ça. Tout simplement. Qui avait bien plu à l'époque, celle-là. Je ne me rappelle plus de quand elle est. Voilà, il y a celle-ci, comme ça, aussi. Après, il y a celle-là qui aussi avait bien plu à l'époque, oui, comme ça, qui se pose. Ok. Bah là aussi, une carte en forme de sapinou, donc je pense qu'il y a 2 ans, ça. Ici, alors ça, c'est très, très shabby vintage, je sais pas trop. Je dirais plutôt shabby quand même. Ensuite, on a des cartes beaucoup plus soft, beaucoup plus simples, avec un peu de couture. Voilà, comme ça. Comme ça. D'accord. Après, on avait des cartes. Alors, moi, j'aime bien les cartes shaker, donc j'en fais un peu à toutes les sauces. Hein. Alors, toujours en récup. Ça, le plastique, là, c'est de la récup. D'accord. OK. Et à l'intérieur, si vous regardez bien, c'est aussi de la récup. C'est quand on fait des trous, bah, pour trouilloter, hein, et ben, je récupère. Pas à chaque fois, mais j'essaye. Voilà, celle-ci qui aurait pu être plus belle. J'ai mal choisi mes papiers sur celle-là. Ici, de la récup, pareil. Le fond est fait avec des papiers cadeaux, des papiers de bonbons, avec plein de choses comme ça. Vous voyez, donc on peut vraiment s'éclater. Celle-ci que j'avais adoré faire. D'ailleurs, je crois qu'il y en a deux. Ouais, elle s'est ouverte, la vilaine. Donc, on va refermer. Alors, je vais juste refermer comme ça là parce que voilà, hein, tu vas pas nous faire perdre 2 heures, toi. Voilà, donc ça, c'est des petites cartes qui s'ouvrent. Ok, les deux faites avec du washi, hop, très simplement. Voilà, ce sont des petites cartes toutes simples qui peuvent vous permettre de mettre votre petit mot, de mettre un petit billet, enfin voilà, de vous éclater. Donc, tout ça, c'est toujours dans la playlist des tutos cartes. Et sinon, de Noël, voyez, celle-ci que j'avais adoré faire, qu'on peut poser, et du coup, ça nous fait un décor. Voilà, comme ça. OK. Après, il y a évidemment les chaussettes du Père Noël, comme ça. Alors, moi, ça, j'ai une matrice de découpe, hein, mais bon, vous pouvez le faire après, sinon, en imprimant un modèle sur Internet ou en le faisant manuellement, hein, manuscrit. Ça, c'est beaucoup plus vieux, je pense. Ce sont justement mes cartes au format 7 par 14. Donc, ici, pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. Je vais l'enlever, je remettrai. D'accord? Pareil. Donc, celles-là, elles sont comment dirais-je? Sont pas travaillées de la même manière puisque c'est de la patouille. Ça, c'est des Memory Dex, pareil, à date. Est-ce que j'ai mis l'année dessus? Non, évidemment, je ne l'ai pas mise. Mais bon, bah voilà. C'est des Memory Dex que j'avais fait avec du papier mousse pailleté, comme ça, tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai plein de choses, vraiment. Et puis après, il y a tout un tas d'ATC. Alors, celle-là, je ne sais pas si c'est celle que j'ai gardée. Ou si c'est, il faut que je vérifie. Donc ça, c'est 2019, vous voyez. Donc, bah, tout ce qui est pailleté, là, c'est 2019, de toute façon. Donc, c'était la série Wes. Donc, c'est celle qui me reste à envoyer. Donc, ça, c'est une autre série. C'est même pas du Noël, d'ailleurs, pour cocter là. Là, c'est même du Halloween, pour vous dire, hein. Donc, on va les mettre à côté. On s'en fout d'Halloween. Là, on est sur Noël. Donc, Noël, Noël. Vous voyez, donc ça, c'était une série. Et puis, finalement, elles ne sont pas toutes parties. Je pense qu'il m'est arrivé. Je suppose qu'il s'est passé.
Donc voilà, tout ça, cette année, ça va partir. Il y avait évidemment celle-ci. Voilà. Et puis après, toujours avec le papier mousse pailleté, comme ça, des découpes faites. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Franchement, ça, c'est du Halloween. Donc non, ça, c'est des trucs qui doivent partir. Voilà, ça, c'est des séries. Je vérifierai quand même que j'en ai gardé une de chaque. Mais voilà, ce sont des séries. OK. Donc voilà, et ça, c'en est une qui n'a rien à faire là. Mais bon, si elle est là, je ne suis pas beaucoup. C'est perdu. Je vais ranger tout ça. Et puis, quand il y en a plus, il y en a encore. Donc, ça, c'est des séries qu'on a fait récemment et où j'ai apporté des modifications et où j'ai fait les shorts aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous les développer parce que je préfère que vous visionnez les shorts. Mais voilà, il y avait ces séries-là, cette série-là. Donc, moi, je l'ai terminée aujourd'hui. J'ai fait mon point de couture. Il y avait cette série-là où, en fait, il fallait que je finisse de mettre... c'est pareil, hein, c'est des amas de papier, des assemblages de papier. Et en fait, c'est des... J'avais la colle... Pas la colle, en flûte. J'avais la neige à mettre. Et l'air de rien, bah, ça prend du temps. Ça, ma petite série comme ça, avec tout ça. Pareil, j'ai quand même ajouté sur tous mes petits morceaux un petit sticker de mes séries de stickers. Quand le papier faisait un peu moderne, je mettais un sticker vintage. Et vice-versa, quand mon papier faisait vintage, je mettais un truc moderne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est pareil, j'ai fait les shorts aujourd'hui de ces séries-là. Donc je ne vais pas vous les détailler. Là, j'ai rien changé. Je ne vais pas vous les montrer, mais voilà, j'ai fini cette série-là aussi. Il y en a plein. Ils ne sont pas tous pareils. Donc voilà, je suis très très contente, il y a vraiment de quoi faire. Donc là maintenant, il me reste à terminer une série, c'est mes petits trucs comme ça. Juste pour faire tout ça, ils n'y sont pas tous, que je vous montre, j'en ai encore quelques-uns là. En fait, mon objectif était de faire 6 séries, parce que j'ai besoin de 6 séries. C'est plus de 6 heures en fait, une fois qu'ils sont terminés, ça m'aura pris bien 6 heures. En fait, ça aurait vraiment été la série la plus longue. Alors ça peut être considéré comme des embellissements, mais ça peut être utilisé aussi différemment. D'ailleurs, vous le verrez au fur et à mesure comment moi je les utilise. Mais ceux-là sont pas terminés. C'était les plus longs. Voilà. Après, il y a eu d'autres tutos, il y a d'autres choses en cours. Mais voilà, déjà pas. Oh bah dis donc, c'était quoi cette dégaine là? je remonte tout. Ouais, c'est ça. Ouais, vous avez vu mon bidou. Bref. Donc voilà, j'ai des tutos en cours, j'ai surtout maintenant des très grosses créas à faire, donc on va s'éclater tous ensemble, et du coup ça m'a permis de ranger correctement ceci, et je suis plutôt contente, j'en ai plus de caisses comme ça, les autres sont prises avec d'autres choses d'ailleurs, donc je peux pas les prendre, ou alors faudrait que je vide, mais ce serait un peu con. Ah bah attendez, j'ai oublié des choses là. Ah non, c'est les trucs où j'ai pas fini mes séries. Oui, donc vous voyez, il y a des séries qui sont pas terminées quand même. Il y a certaines séries avec les pages de livres, etc. Donc voilà, je suis super contente. Je suis en train de finir aussi mes stickers de chez Lidl, comme ça. Donc, j'en ai encore là, parce qu'il y en a tellement. Mais voilà, moi je suis ravie. Je suis ravie, je m'éclate. C'est un pur plaisir. Et vous voyez qu'il change, hein, parce que avant c'était comme ça, après ça a été comme ça, et puis après c'est comme ça. Enfin, vous voyez, il change. Et là, cette année, je suis sûre qu'il sera encore différent, donc voilà, c'est génial. Vive les stickers, vive Noël, faut que je ramasse. Je vais y arriver, j'y réussis. Voilà, donc cette année, je vais mettre du stickers de partout. Vous l'avez vu, de toute façon, il y a mille et une manières de les utiliser. En même temps, c'est une déco sympathique. Je vous conseille vraiment, par contre, de toujours rajouter un point de colle derrière, hein, parce que franchement, voilà. Donc voilà, j'avais envie de faire le petit tour comme ça avec vous. Sachez que quand je fais mes embellissements, donc vous l'avez compris, c'est des séries, je ne les fais pas toujours en série avec vous. C'est pour ça que je mets les shorts après, parce que du coup, les shorts vous permettent de voir la série complète et les modifications qu'il y a pu avoir. Par exemple, sur mes bandes là, j'ai clairement, vous les avez vues. Vous ne les avez pas toutes vues déjà, mais en plus, vous ne les avez pas vues avec la couture. Donc là, vous verrez avec la couture. Enfin voilà, il y a tous quelque chose. Voilà, si je vous fais en short, c'est que ça permet justement de voir quelque chose de supplémentaire. Et puis, je trouve que c'est sympa de représenter comme ça. Voilà. Alors, sachez que dans les shorts, je mets le lien de la vidéo qui correspond au tuto.
dans la barre d'infos. Je sais qu'on m'a déjà dit que certains ne trouvaient pas la barre d'infos, mais il y en a bien une. Donc voilà, je vais voir si vraiment vous me dites encore, si vous êtes tous à me dire que vous ne trouvez pas, bah, j'essaierai de mettre dans le titre. Mais le problème de mettre dans le titre, c'est que ça prend tellement de place que du coup, après, je ne peux plus mettre de titre. Ce que j'ai essayé, c'est, je pourrais mettre, mais dans ce cas, le lien est tellement long qu'après, on ne peut plus mettre de titre. Donc moi, j'aime bien mettre un titre, quoi. Voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vais aller mettre cette petite vidéo en charge. C'était vraiment juste pour vous présenter tout ce qu'on avait déjà pu faire ensemble. Et encore, il n'y a pas tout. Il y a des choses qui sont en cours, donc forcément, comme elles ne sont pas terminées, je ne vous les ai pas ressorties. Il y a des séries que je n'ai moi-même pas terminées, donc je ne vous les ai pas remontrées. Et il y a encore plein de choses à venir. Donc voilà, c'était pour refaire un petit tour d'horizon de ce qu'on avait déjà fait. Donc, je vais mettre cette vidéo en charge, je vais aller faire la popote. Et s'il n'est pas trop tard, eh bien, je vais faire la suite du tuto que j'ai commencé hier et que vous n'avez pas eu parce que ben, j'ai dû m'interrompre, je n'ai pas pu le terminer. Et donc, forcément, ce sera un montage. Voilà. Je vous embrasse. Dans tous les cas, soit à tout à l'heure, soit à demain. Voilà, prenez soin de vous.